Et tu, cher spectateur, il y a des acteurs qui représentent une époque, non pas qu'ils n'aient pas réussi à sortir de cette période, mais qui sont ancrés dans une décennie et qui la symbolisent, un peu comme Chuck Norris symbolise l'Amérique, la vraie. Des icônes générationnelles, ce genre de personnes qui, lorsque l'on rassemble les images marquantes d'une décennie, reviennent toujours devant les autres. Pour les années 70, on met souvent la guerre du Vietnam avec Orange Mécanique et Luke Skywalker. Pour les années 90, on met souvent MC Hammer avec Coca-Cola et Neo. Mais pour les années 80, il y a un peu trop de choses à ranger dans cette période. Mais généralement, lorsque l'on pense à la meilleure décennie du monde, on met facilement le Walkman à côté de la Peugeot 205 et de Marty McFly. Ce dernier étant le seul vrai symbole des années 80, il faut le reconnaître tout de même, parce que la 205, voilà quoi, c'est pas trop la classe. Marty McFly n'est pas devenu un acteur culte uniquement grâce à la DeLorean et au Doc, mais également grâce à un autre rôle qui lui collera à la peau, un rôle emblématique qu'il incarnera en 1985, la même année que Retour vers le futur. Puisqu'en 1985, Michael J. Fox incarnera un renouveau du mythe du loup-garou dans le long métrage de Rob Daniel Teen Wolf. Rien à voir avec la série télé qui cartonne aujourd'hui auprès des jeunes. Pour un film décalé et bien allumé dans son genre, qui fera la légende de l'acteur avec la saga de Zemeckis et la série Spin City. Le film ici est juste un pur objet des années 80, kitsch comme ce n'est pas permis, juste décalé à souhait, pour un pur divertissement bis bien comme il faut, qui penche assez souvent vers le Z assumé, mais qui ne tombe jamais réellement dans ses travers, encore heureux d'ailleurs. Putain quoi, McFly en loup-garou qui devient la coqueluche du lycée, si ça c'est pas du haut concept, difficile à dire ce qui pourrait rendre le film encore plus drôle ou allumé. Si ce n'est une scène de basket où Fox serait en loup-garou. C'est ça qui a fait la légende du film, un côté jusqu'au bout qui marche totalement et qui rend le film jouissif à chaque instant. Et oui, on pourrait toujours chipoter sur l'esthétique un peu criarde du film et sur deux ou trois aspects dramatiques de l'œuvre qui ne sont pas forcément maîtrisés, mais pour être franc, on s'en cogne. La seule chose que l'on veut, c'est voir Fox dynamiter les codes du film de genre et de créature, Daniel s'amuser avec son personnage et l'emmener dans des situations totalement déjantées, et surtout, rire de voir cette légende des années 80 s'éclater avec ce personnage hallucinant et halluciné d'adolescent loup-garou, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Si on commence à faire la fine bouche avec ce genre de film, on ne va pas aller bien loin avec les films actuels. Mais bon Dieu ici, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des personnages aussi caricaturaux et aussi cool en même temps. Et même si le film est cliché, la manière avec laquelle Daniel et Fox s'amusent avec ce personnage et tournent certaines des situations donne lieu à deux ou trois moments assez surprenants dans le genre du film, allant à l'encontre des codes de ce type de métrage pour un plaisir coupable juste jouissif et cool à souhait. Donc oui, c'est un pur et juste jouissif condensé de tout ce qui fait l'essence même des années 80, un moment de cinéma parvenant à synthétiser une conception décalée jouissive du 7ème art, montrant bien qu'il fut un temps où faire un film, c'était avant tout s'amuser, dynamiter ce que l'on pouvait attendre d'une œuvre pour faire jouer le spectateur avec des œuvres délirantes et allumées. Donc oui, laisse le loup-garou cinéphile qui est en toi s'éclater et hurler le temps d'une comédie bien pétée qui te fera voir qu'assumer son côté viril, c'est un bon début vers la célébrité. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.